The Ecological Monitoring Center of Senegal, in partnership with the Adaptation Fund, organized in Dakar a virtual exchange visit with the national entities implementing the fund's projects. 10 countries, Kenya, South Africa, Cook Islands, Micronesia, Chile, Niger, Peru, Belize, Indonesia, and Senegal, took part in these exchanges of experiences, which were held between November and December 2020 on disaster risk reduction and coastal zone management. Participants from these developing countries presented projects on disaster risk reduction and or coastal zone management. Two CSCs projects were showcased. The first is the project entitled Adaptation to Coastal Erosion in Vulnerable Areas, funded by the AF and implemented between 2010 and 2014. This project was implemented by three executing agencies: the Directorate of the Environment and Classified Establishments, DEC, the NGO Green Senegal, and the Association Dynamic Femmes de Joual. The project focused on three components: reduce exposure to coastal climate change impacts by protecting houses and coastal infrastructure threatened by erosion, including fish processing areas, fishing docks, and tourism-related activities; introduce measures that include anti-salt dikes to mitigate salinization of agricultural lands and sea defenses to attenuate coastal erosion; develop and implement coastal management policies and regulations. The second project is titled Coastal Risk Monitoring and Soft Solutions, Benin, Senegal, and Togo. The project's objectives were to consolidate and perpetuate the coastal observation mechanisms, to influence public policies on coastal risk, and to initiate a series of pilot activities for the implementation of soft coastal protection solutions. The objective of the exchange visit was to improve project design, development, and implementation capacity through south-south and peer-to-peer experience sharing, and to facilitate interaction and engagement with project stakeholders throughout the Adaptation Fund project cycle process in a sector or model of interest. J'aimerais à nouveau remercier le Fonds pour l'adaptation pour les actions qu'il fait à l'endroit des pays africains. Je l'avais dit tout à l'heure, je le répète, et plus particulièrement vis-à-vis du Sénégal et notamment par rapport au Centre de suivi écologique. Parce qu'au fil des années, depuis 2010-2011, nous avons constitué une amélioration importante au niveau institutionnel sur lesquels le Fonds pour l'adaptation nous a aidés. In Senegal, which was hosting the virtual tour, also shared its experience of adaptation and mitigation to climate change. With 700 kilometers of coastline, Senegal is not immune to coastal erosion, which, under the effects of strong swells, poses serious threats to much of the coast. The coastline is retreating by about 1 to 2 meters per year. Coastal protection is therefore among the priorities retained by the state of Senegal in its strategies to combat climate change, including its nationally determined contribution and its national action plan for adaptation to climate change. This part of the national territory hosts more than 50% of the country's population and is home to around 85% of industries and services, as well as two of the key economic sectors, fishing and tourism. As a result, a large part of the population is directly affected by the effects of climate change. In Sali, hoteliers have been suffering since 2004. En fait, l'érosion côtière est arrivée surtout à partir de 2004-2005. On a connu ce phénomène, les changements climatiques. On entendait les changements climatiques, mais juste en 2004-2005, fin 2004, l'impact a trop porté sur la station de Sali, surtout cette partie où nous sommes. C'est cette partie du sud qui a été tout détruite par l'érosion à partir de 2005. Women processors were also victims of coastal erosion, which caused extensive damage. Érosion côtière, bi bu mu ñu damé,
amon nañu ñakare bu baax baax suñu xol yi toyon na parce que bu mu ñé amna kër yo xamni ñu daléena yobbu ba seeni borom dañu déménager dem ci kaw amon nañu ben garab guuy gu mag comme guuy bi nga gis fele guuy bele nga gis non amon nañu benen guuy bu toll ni bobu ñu diko wax lar bu apala bu mag ñi fa lañu doon tok fa lañu doon waxtane seeni soxla yep fa lañ ko doon waxe fa lañ ko doon def mais bi di érosion côtière bi ñëwé dafa yobbu yep dafa yobbu yep demone nañu bi suñu gaay suñu doom yi seeni gaal yi amuñu won fi ñu ko tek dañu ñuy ñu ngi demone pointe sarène ñi jewal ñi jifer fofu lañu demone di campagne in Rufisque same scenario. The advancing sea caused destruction, especially in the Chaolin Cemetery, where bones were dug up by the water. Metti wonna parce que bo xolé historique bi sax li tax dig bi ñu am ko bokk na ci seuk yi nek ni armel yi fu am ben ané geej gi fess lool da di fi def yu ay jeey doy war ci armel yi ci loolu nak lañu doxal plaidoyer bi ñi ko wara porter ko bu mu aboutir bu geej gi massana sanni kéro kèn du talatal agn day dugg ci biir kër yi do tal dara day dugg ci biir neeg yi day yaq lu béré 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 lay yaq fi yépp ay kër la won fi yépp mais lépp geej gi yobbu naka. In Saint Louis, the phenomenon took a disastrous turn. After the 2003 floods, a bridge was opened on the Long de Barbarie, 7 kilometers downstream from the city, to facilitate the evacuation of the river flood towards the sea. The intense erosion process widened the bridge, which has grown from 4 meters to 5 kilometers today, causing coastal erosion problems on the Long de Barbarie. The village of Doun Babadjé was swallowed up by the sea as a result of this erosive dynamic, and other riparian areas are in turn subject to erosion. Parce que dans les 24 sur 24, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Si on a été en social, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train. Mais depuis 2003, quand ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Comme nous, démarrer le travail. Ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train de se récolter. Faced with these tragedies and disasters all along the coast, Senegal has made coastal protection one of its priorities. Aujourd'hui, l'État du Sénégal est tout à fait conscient de ces enjeux et a mis en place une politique de protection du littoral qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais depuis un certain moment, l'État du Sénégal a pris les choses avec beaucoup plus d'importance, je devrais dire, parce que avec la problématique des changements climatiques que nous connaissons aujourd'hui et le relèvement du niveau des mers, l'incidence que cela peut avoir sur la zone côtière, avec l'érosion côtière, l'État du Sénégal a jugé utile de définir une politique strictement orientée vers la protection et la valorisation du littoral. Located on the small coast south of Dakar, the seaside resort of Sali Portudal suffered the full brunt of the effects of coastal erosion in 2009. The closure of several hotels has resulted in significant reductions in revenue for the municipality, which has decided to bring in the resources of the National Army to deal with the advancing sea. Mairie bi doona jema def ay pexé mom ak comité des stations bi fi nek ak SAPCO ak le ministère de l'environnement. Bi fonds d'adaptation ñëwé gis nañu né lolu dal moy solution bi ñu yaakar né mën nañu jappalé. Following on from the actions and successes initiated by the Adaptation Fund, other partners have arrived to strengthen and expand the scope of the work. This is the case with the World Bank. Thus, this village that you see reappeared a few days ago thanks to the sand filling work still in progress and which will stabilize it. Breakwaters have also been built along the coast. This is a solution that offers the best value for money. Pour protéger une côte, il y a plusieurs solutions. Donc, il faut également regarder à la fois l'aspect technique et l'aspect coût. Et donc, on avait à notre portée plusieurs solutions, dont des épis,
donc les brise-lames, donc carrément des digues frontales. Et donc on a opté pour la solution de brise-lames à cause du coût, mais également du fait que c'est une solution qui permet ce qu'on appelle un beach nourishment, c'est-à-dire l'ensablement de la plage. Parce que les brise-lames, c'est une technique qui permet en fait de piéger les eaux et de les obliger en fait à déposer le sable que ces eaux transportent. C'est la raison pour laquelle on a opté pour cette solution, non seulement pour le coût, mais également pour la nécessité de remettre du sable en fait sur la plage, parce que toutes les plages de Sari étaient dégarnies à un certain moment. The fight against coastal erosion is first and foremost the construction of protective structures, but it is also a social engineering which ensures coordination between grassroots actors and sets up a system that makes it possible to understand the project and its execution phases in order to ensure its sustainability. As part of the project, this work was entrusted to ONG Green Senegal. L'ingénierie sociale dans le cadre de ces projets, notamment d'adaptation, occupe une place importante parce qu'il s'agit de mettre en place une coordination entre acteurs au niveau de la base et d'asseoir un dispositif qui puisse permettre aux gens de bien comprendre le projet, de bien comprendre quelles sont les différentes phases d'exécution, mais également de s'assurer de la durabilité du projet. Pour notre expérience, ce que nous avons fait au départ, c'est que nous avons travaillé d'un commun accord avec les autorités locales, les autorités administratives, les partenaires techniques et mis en place au niveau de chaque quartier des dispositifs qui permettent de reprendre le projet, qui permettent de sensibiliser les acteurs à travers des visites à domicile, à travers des rencontres avec les autorités locales, mais également les leaders d'opinion et les leaders coutumiers. Sénégal has benefited from funding from the Adaptation Fund through the Coastal Erosion Adaptation Project in vulnerable areas. It was therefore necessary to strengthen the commitment of community actors and civil society in order to gain support and ownership of this project by the beneficiaries, particularly in Sali and Rufisque. This is how the NGO Enda Energy has contributed through the advisory support of certain executing entities and capacity building for better control of adaptation options with regard to coastal erosion in Senegal. This also made it possible to monitor the activities carried out, but also to carry out an impact study to see the impacts of the project on the various receptors at the environmental and social level. Ce projet a été très bénéfique pour le Sénégal parce que cela nous a permis par ailleurs de renforcer l'influence politique. L'influence politique en quoi faisant, c'était de montrer qu'il y avait des solutions qui ont été acquises hein, donc, dans ce projet-là. Et il était question qu'on arrive à un changement d'échelle. Et le changement d'échelle était d'appeler le gouvernement à aller vers une stratégie de réponse pour le littoral. Et je pense que ce que nous sommes en train de voir au niveau de Sali montre bien que ce projet a été un projet catalyseur qui a permis de développer d'autres infrastructures, notamment les brise-lames que nous voyons autour des hôtels à Sali. The town of Rufisque, also located on the coast, is threatened by coastal erosion. This former colonial city was exposed to bad weather and its infrastructures, roads, places of worship, schools and cemeteries were seriously exposed. The project allowed the construction of a dike promenade 730 meters long and 23 meters wide at Rufisque Est in order to protect homes and the living environment. This dike promenade, which today protects socio-economic infrastructure against strong swell and storms, was built in a particular context. Tchaolène, en fait, c'est si vous voulez, c'est spécial. Pour la simple raison que il y a eu des dégâts qui ont joué un peu sur l'esprit de la population. Parce qu'en 2007, quand il y a eu les grosses tempêtes et que les houles fortes ont atteint le cimetière, c'était émouvant. Parce qu'il y a eu des sépultures qui ont été déterrées, des ossements qui sont apparus, et ça a constitué un traumatisme, si vous voulez, de la population qui était restée impuissante face à ce phénomène. C'est à partir de ce moment que les gens ont
la population, sous la pression de la population, l'État s'est dit quand même qu'il faut trouver une solution. Alors, ce projet, c'était une digue frontale. Et cette digue frontale était composée essentiellement de deux choses. C'était du dur, donc c'était un mur de soutènement bien dimensionné derrière, et ensuite des enrochements, avec bien sûr une constitution déjà de petits moellons qui constituaient le noyau, et ensuite les gros enrochements qui avaient des vides. Ça permettait toujours aux vagues et aux grosses houles, quand ils arrivent, les enrochements sont assez souples. Donc l'eau peut les pénétrer et ensuite ressortir. Maintenant, s'il n'y avait que du dur, peut-être la résistance de l'ouvrage allait être plus difficile. These hard solutions adopted for Sally and Rufisk are different from those implemented in Saint Louis in northern Senegal. Here, the coastal risk monitoring and soft solutions in Benin, Senegal, and Togo project, commonly known as WACAFEM, is funded by the French Global Environment Fund, with CSC monitoring and IUCN technical support. The aim is to consolidate and perpetuate national and regional coastal observation mechanisms and to test soft solutions for coastal protection. In Senegal, the St. Louis Marine Protected Area is one of the pilot sites for the project. Dune fixing techniques have made it possible to restart the process of ecosystem restoration. Depuis 2019, un certain nombre de solutions ont été posées par l'air marine protégée de Saint-Louis, à savoir au niveau de cette zone-là. Donc, nous avons installé ce qu'on appelle des tifavelles pour un tout petit peu créer un cordon dunaire qui va permettre de fixer cette partie-là en empêchant l'eau de mer de traverser pour rejoindre cette partie-là. Donc, à travers ces tifavelles-là, donc, nous avons remarqué que voilà, un écosystème s'est formé en aval de ces tifavelles-là, et nous avons accompagné cela par un reboisement de 5 hectares en aval des tifavelles pour permettre de mieux fixer cette zone-là. Donc, qui a permis de reboiser pratiquement toute cette bande qui avait complètement disparu à cause du passage de la brèche. Donc, entre autres solutions, donc ce sont ces solutions-là, qui sont des solutions assez douces, qui ont un impact moindre sur les écosystèmes. One of the key success factors is the quality of the environmental and social impact studies, right from the project idea stage. Il faut savoir qu'au Sénégal, la prise en compte donc, des aspects environnementaux et sociaux dans les projets a commencé avec l'avènement du Code de l'environnement en 2001. Et depuis, donc, on a développé une procédure donc, en matière de gestion environnementale et sociale donc, dans les projets. Et cette procédure démarre hein, depuis l'idée de projet, avec le screening environnemental. Ce screening environnemental nous permet, dès l'étape de l'idée de projet, donc de voir quels sont les enjeux environnementaux et sociaux qui sont en lien avec le projet que nous voulons développer, et donc de faire une catégorisation de ce projet-là. This procedure is now essential before building infrastructure. The example of Sally is a good illustration of this. La première étape avant d'édifier même ces infrastructures, c'est se conformer à la réglementation nationale et même internationale en réalisant des études d'impact environnemental et social, pour essayer de voir aujourd'hui, pour ne pas déplacer les problèmes, quels seront aujourd'hui les impacts que peuvent avoir ces infrastructures sur les populations, sur les habitations ou même sur le milieu. Et ça, nous avons réalisé ces études d'impact. Nous les avons partagées avec les populations pour davantage prendre en compte leurs préoccupations. Par exemple, au niveau de Sali, ça nous a permis de ne pas faire une digue qui surplombait, qui empêchait les populations de pouvoir observer correctement la mer. Et ça, c'est un aspect extrêmement culturel, extrêmement important pour les riverains. L'autre élément, c'est au moment même de la réalisation des travaux. Ça aussi, ça peut avoir des éléments si jamais des mesures d'atténuation ne sont pas prises. Ça peut avoir des impacts. Par exemple, quand on travaillait à Sali, au même moment, il fallait assurer quand même la fonctionnalité encore, la continuité du service des hôtels, sans quand même déranger la clientèle. Et
tous ces éléments-là ont été pris en compte dans le cadre des études d'impact que nous avons réalisées et le plan de gestion environnementale qui en est suivi. The preservation and protection of the coast requires significant resources which are not always available at the national level. Sénégal can, however, count on its technical and financial partners whose support already enables the fight against the effects of climate change to be adequately supported. To mobilize additional resources, the positive socio-economic impacts of the various projects are an asset. Le Sénégal a plus de 700 km de côte et là il y a beaucoup de réalisations à faire et ce projet, vu les impacts en tout cas, permettra donc de montrer à d'autres bailleurs que il y a des solutions adaptatives qui sont mises en œuvre au niveau du Sénégal et qui peuvent être mises à l'échelle. Donc du coup, je pense que ce projet permettra de mobiliser d'autres ressources additionnelles. Et là, concrètement, déjà, nous avons un financement donc, de la Banque mondiale, même si c'est un prêt, a permis de poursuivre les réalisations déjà faites sur financement du fonds d'adaptation. Au niveau de Refisque également avec la DIC, il y a d'autres initiatives qui sont en cours. In Niger, the climate change adaptation experience presented during the webinars focused on community support for vulnerable populations. C'est une expérience que nous voulions partager par rapport au fait à un modèle de financement que nous implémentons au Niger. Il s'agit d'une finance inclusive au fait adaptée au changement climatique, prenant en compte des expériences d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. C'est l'accompagnement communautaire que nous faisons actuellement au Niger. En résumé, au fait, le projet, c'est... qui est-ce qui le projet? C'est la Banque agricole du Niger en partenariat avec la coopération luxembourgeoise sous la maîtrise d'ouvrage délégué du Conseil régional ainsi que le ministère de l'Agriculture. La région dans laquelle nous la présentons, c'est Dosso. Et pourquoi effectivement se développer ce projet? C'est pour mettre la population en fait nigérienne à l'abri des famines récurrentes. Outside the African continent, experiences on adaptation were presented. In Indonesia, it was community adaptation for forest-based management in the Sadang watershed ecosystem that was on display during this virtual exchange tour. In a pandemic context, the local implementation entity has adapted to the COVID-19 health crisis by organizing numerous training, information, and awareness sessions with actors and stakeholders. Cook Islands presented Pa Inua's Resilient Livelihoods project called Pearl. It aims to build and implement an integrated approach to further increase the adaptive capacity of remote island communities and ecosystems to disaster risk and the impacts of climate change. The Pearl project focuses on strengthening disaster risk governance to manage risks and improving preparedness for an effective response in recovery, rehabilitation, and reconstruction. Thanks to the Adaptation Fund, the CAC Climate Change Team, which includes the Ministry of Agriculture, Trade and Investment, and the local supermarket Prime Foods, organized the workshops in the outer islands for awareness raising and promotion of locally grown products. In Indonesia, the implementing entity presented during this virtual visit its training activities for community actors in responsible and sustainable forest management. In the end, Senegal takes the threats of coastal erosion and climate change very seriously and remains mobilized with its partners to address them. Thanks to the various adaptation actions, the populations are starting to become aware of the problem. The synergy of efforts should make it possible in the years to come to better preserve and protect the coastline. The case study of Senegal and the other countries provided an opportunity to review the main challenges that an NIE may face when formulating and implementing a project. The exchanges allowed for a better understanding of coastal management between the multi-stakeholders. Oh, 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 oh.